Solidarité et entraide, deux des valeurs du rugby mises en lumière chaque année par 7 de cœur. Au programme, de nombreuses animations dont un tournoi relevé qui se joue à 7 contre 7. Mais l'événement se distingue avec son angle caritatif. Depuis son lancement, le tournoi 7 de cœur a permis de récolter 320 000 euros pour des associations. On le fait par le biais de levées de fonds, mais également par des opérations de communication en essayant d'avoir le plus beau résultat pour pouvoir parler le mieux possible des associations qui sont bénéficiaires du tournoi. Pour sa 8e édition, 7 de cœur a soutenu 5 associations caritatives, dont celle de l'ancien international français et entraîneur de Biarritz, Patrice Lagisquet. Chrysalide accompagne les parents d'enfants déficients mentaux. Et l'avantage qu'on a avec des tournois comme celui-ci qui nous permettent de recueillir des fonds, c'est que ça nous donne une autonomie pour lancer des projets. On a été pionniers sur la création des auxiliaires de vie scolaire, sur les premières classes d'intégration dans les années, au tout début des années 90. Et chaque fois, c'est grâce à des soutiens comme celui d'aujourd'hui qu'on a pu lancer ces projets. Sur le terrain, des joueurs venus de toute la France, mais aussi d'Angleterre et de Chine, et parmi la trentaine d'équipes représentées, quelques habitués. Nous, ça fait pas mal d'années qu'on est là, qu'on est à Versailles, et à chaque fois, c'est toujours un plaisir de jouer ici, de voir le niveau un peu, et de, surtout de participer à une asso caritative pour ces gens-là et pour le rugby en plus. Pour le rugby. Parce que c'est un tournoi qui est très relevé sportivement. Et en même temps, le caritatif, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le fait de pouvoir jouer au rugby et de faire en même temps une bonne action. Bonne action transformée, l'objectif de 90 000 euros affiché cette année sera probablement atteint.